This is a public service announcement, sponsored by Just Blaze and the good folks at Rockefeller Records. Fellow Americans, it is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living testament and recollection of history in the making during our generation. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. H to the OV. I used to by the OC. I guess even back then you can call me CEO of the ROC. Fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz number one supplier. Fired in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, Ho. Not DOC, but similar to the letters. No one could do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. So that's what I'ma do, take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels and the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect this. Shoot at you actors like movie directors. Say the movie, dog. Si ça, c'est pas de la putain d'intro, je sais pas ce que vous avez besoin. Salut à toutes et à tous, c'est Shanghai. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu que j'attendais, NBA 2K13. Donc le producteur exécutif, vous le voyez à droite en dessous du 13, c'est Jay-Z. On l'a d'ailleurs vu dans ce clip d'intro. Et je vais tout de suite vous parler de la bande-son avant de s'attaquer au jeu et de vous finir. Tout ça par un petit match en ligne. Donc il y a du Jay-Z, il y a du Rihanna, il y a du Kanye West, du U2, on a du coup, on a aussi du Phoenix, du NAS, du PDD, on a du The House, on a à peu près tout ce qui se fait de bon et on a une putain de bande son de malade quoi. Enfin je veux dire, c'est vraiment un pur régal. Bon, par contre, il faut que vous accrochiez au style un peu rap US quoi. Rap US et R&B. Mais bon, moi je kiffe totalement, donc c'est vraiment un plaisir rien que d'écouter les musiques en fait. Ça m'arrive de rester juste là dans le menu. Écouter ces putains de musiques qui sont absolument géniales. Donc voilà, donc NBA 2K13. Oui je dis 2K13. Bref, donc j'ai juste vous expliquer donc comment ça se passe. Tout simplement, donc on arrive, on se le joue, on fait start, on arrive là, hein. On arrive sur ce menu, on fait un rond et là on a le menu plus en profondeur. Donc on a l'accueil qui est l'accueil, on a le mode mon joueur, donc ça c'est comme l'ancien, mais en fait non, pas vraiment, mais... et en fait ils l'ont beaucoup plus poussé, puisqu'en fait en mode mon joueur on peut acheter des trucs. Des habits par exemple, ça c'est les vêtements quand on est en conférence de presse, etc. Là c'est pour l'équipe plus précisément, et là c'est plus des accessoires, par exemple les bandeaux, les gants, enfin les bagues plutôt, les gants, etc. etc. On a aussi donc après évidemment pour s'équiper le vestiaire, donc là c'est en match, arrivé au match, donc ça c'est ce que je vous disais, hein. Genre les tenues, les costards, etc. Et aussi le bitume, ça c'est un nouveau mode de jeu, je vous présenterai sûrement dans une autre vidéo ou quelque chose comme ça. C'est un mode en gros street, donc c'est du basket, du street basket en 3 contre 3. Et c'est le premier à 21 points, un panier à 2 points vaut 1 point et un panier à 3 points vaut 2 points tout simplement, donc on est en 3 contre 3. Et c'est assez sympa. Après on peut voir les stats, tout simplement, voilà, c'est assez simple. On a évidemment la possibilité de modifier son joueur et modifier le compte de son joueur. Voilà, on a fait le petit tour du mon joueur, même s'il y a évidemment d'autres choses. La carrière, c'est tout simplement le mode mon joueur, il n'y a pas grand chose à dire. Vous prenez un joueur, vous le créez. Vous avez d'abord le match des rookies, donc vous essayez de vous distinguer afin d'avoir une bonne équipe qui vous prenne pour la draft. La draft c'est chaque équipe tire un numéro au sort,
Et par exemple, si San Antonio, les San Antonio Spurs étaient dans le numéro 1, bah, ils pourront choisir en premier le joueur. Donc évidemment, avoir plus de chances d'avoir un gros joueur. Donc on a le match des rookies, donc c'est des joueurs de basket qui sont en première année. Ensuite on a une interview avec quelques clubs qui nous courtisent, j'ai un bug cérébral, qui nous courtisent pour leur équipe. Par exemple moi j'avais eu les Trail Blazers, le Portland, j'avais eu Golden State il me semble, et je ne sais plus qui d'autre. Et ensuite après donc on est dans leur équipe, après il faut faire ses preuves, au début on n'a pas de temps de jeu, après on a un temps de jeu un peu plus élevé, et après on devient complètement la star de cette équipe, on a également des conférences de presse, etc. 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 C'est vraiment bien poussé. Je vous ferai peut-être une petite série tiens, sur le mode mon joueur, pourquoi pas. Mon équipe. Ah oui, c'est Ultimate Team en fait. Oula, parce que j'ai pas l'habitude de voir mon équipe, c'est du Ultimate Team, hein. Il n'y a pas à chier, ils ont repris le concept de G-Sports. Et ils ont raison. Donc on a notre collection, ça c'est tout ce qui est nos joueurs et tout. Moi j'ai ça, j'ai eu que mes premiers joueurs pour l'instant. J'ai pas encore acheté d'autres joueurs, etc. Donc là c'est un peu mes joueurs, il me semble. Donc mon équipe, donc là on voit mon équipe, mes 5 de départ. Donc je peux pas mettre grand chose pour l'instant, c'est des joueurs bronze. Hein. On va prendre le principe de fut, donc c'est des joueurs vraiment très faibles. Ensuite, attendez là-dedans. Donc après on doit faire notre banc évidemment. Comme ceci. Ensuite on va choisir nos équipements. Une stratégie c'est obligatoire. Un terrain. Une équipe, donc un maillot domicile, un maillot extérieur et un coach. Ensuite, donc ça c'est tout simplement pour commencer à jouer avec son équipe. J'ai jamais fait en fait, j'ai encore fait aucun match. Mais j'ai pas trop envie. On a un match d'exhibition, donc ça c'est des matchs amicaux, tout simplement, défi rookie, défi pro, défi all-star. Et on a le marché, donc ça c'est tout simplement le marché quoi, c'est des enchères hein, sur Ultimate Team. Donc on voit du LeBron James à droite, en haut à droite, hein, enfin vers la droite, vous voyez valeur actuelle 20 000. Ils sont quasiment tous à 20 000, les stars, hein, du moins ils sont à 20 000. Vous voyez qu'en bas j'ai 2614 pièces, donc je suis très loin du compte. Donc voilà, par exemple Carmelo Anthony, et on peut choisir par équipe, par exemple hop, par poste d'abord, meneur de jeu, arrière, ailier fort, pivot, et après par équipe. Par exemple si je veux mon ami Tony Parker, je vais chez les Spurs évidemment, donc là il doit être quelque part, il doit être là, Tony Parker par exemple, vous voyez qu'il est à 18 000, donc pour l'acheter il faut 18 000, il va me dire que j'ai pas assez, ah non ça c'est pour acheter de la pub, bref. Donc voilà, et donc nos pièces, vous allez me dire à quoi servent-elles. Donc elles servent soit pour s'acheter des tenues pour son pro, pour son joueur, en mode mon joueur, soit pour les dépenser ici dans le mode Ultimate Team, je vais l'appeler comme ça, je suis désolé, mais j'arrive pas à mettre son nom en tête. Soit pour améliorer les stats de son pro, donc ou des vêtements. Ou améliorer son pro ou venir ici dans ce mode Ultimate Team. Donc c'est voilà, là on a fait un peu le tour de ce mode. Donc en gros c'est complètement du Ultimate Team. Et le mode s'appelle mon équipe, faudra vraiment que je m'y fasse à ce nom. Ensuite donc on a les modes de jeu classiques, une association, les saisons, les playoffs, juste les playoffs donc. Un entraînement, hein, donc là on a plusieurs trucs également, du freestyle, du lancer franc, etc. Des camps d'entraînement, des camps d'entraînement qui sont très bien. On vous apprend pas mal de choses. Donc là, c'est tout ce qui est les légendes. Genre Michael Jordan, etc. J'ai jamais fait, honnêtement, ça doit être ça. Hein. Donc, on voyait en fond de Jordan. Ensuite, donc, on a le mode en ligne. Ça, on va y aller. Après, on a les extras, donc toutes les chaussures. On a les beats. Donc, c'est tout ce qui est musique et tout, je suppose. Voilà. Après, là, c'est. On s'en fout un peu quoi, les crédits, les codes, etc. On s'en fout. Et les options, mais ça on va pas s'y attarder, je voulais juste regarder, hop. Voilà. Donc on va tout de suite aller en ligne. Si vous commencez, oui. Et on va se faire un petit match en ligne. Avant je vais quand même vous montrer quelques trucs. Donc vous voyez tout d'abord dès qu'on va sur le mode en ligne, on a nos stats. Donc partie rapide, vous voyez que j'ai une victoire et une défaite. Et partie bitume mon joueur, j'ai deux victoires, deux défaites. Donc là c'est mon joueur au milieu, on le voit tout le temps.
j'ai complètement raté, mais bon. C'est pas bien grave, hein. Donc on a la partie rapide, donc c'est du 1 contre 1. Classique, moi vs toi. Moi je prends une équipe San Antonio Spurs. Toi tu prends les Bulls par exemple, on joue l'un contre l'autre. Là c'est partie rapide en équipe jusqu'à 10 évidemment. C'est chaque joueur contrôle un joueur. Par exemple moi je vais contrôler Duncan. Mon pote va contrôler mon pote ou un mec sur internet qu'on connaît pas va contrôler Parker. L'autre va contrôler Ginobili. L'autre Leonard, je vais finir l'équipe. Et le dernier Boris Dio. Et donc ça peut aller jusqu'à 5 contre 1. Donc ça c'est vraiment un petit plaisir. Mais bon c'est pas le mode de jeu que je préfère. Le mode de jeu où j'ai vraiment accroché c'est celui-là. Partie bitume, c'est en 3 contre 3, c'est du basket, du street basket. Hein, je vous l'ai dit, de toute façon, je vous le montrerai, ça c'est sûr, dans une autre vidéo. Ensuite, là, c'est tout simplement pour inviter nos amis. Tournoi Virgin Gaming, c'est vous allez sur le site de virgingaming.com ou .net, ou j'en sais absolument rien, un truc comme ça, vous tapez Virgin Gaming sur votre moteur de recherche. Et tout simplement, vous pouvez mettre de l'argent sur ce site et trouver un adversaire pour jouer pour de l'argent. Je le fais notamment moi sur FIFA, donc faut avoir quand même un assez gros niveau. Je vais peut-être me risquer genre quelques dollars sur NBA, mais bon, je resterai sur FIFA pour jouer pour de l'argent. Bon, ça évidemment déjà faut être majeur et tout. Et par contre, c'est du vrai argent, donc c'est pas genre 1€ non, vous devez mettre 20€ et après par match, vous pouvez gagner un certain nombre d'euros, même si ce sont des dollars. Donc voilà. Et mes stats, ça c'est pour voir les stats, on peut faire un petit tour. Donc voilà, on a tout ce qui est record, après on peut voir je pense par mode, genre par exemple la partie bitume. Donc voilà, donc c'est un peu pour voir les stats globales. Là j'ai encore pas grand chose vu que j'ai pas beaucoup joué. Et donc on va tout simplement faire une partie rapide, on va essayer de trouver quelqu'un. J'espère qu'il va me trouver quelqu'un assez rapidement. Normalement oui. Les serveurs ont été énormément stabilisés. Il y a beaucoup moins de lag, même avec des Américains. Là je vais vous dire l'heure. Il est 5h45. Donc 5h45 ça fait on va dire entre 22 et minuit du côté des US où vous êtes. Un peu plus tôt ou voire un peu plus tard selon où vous êtes. Donc bon là il doit encore avoir beaucoup de monde, beaucoup d'Américains. Bon, évidemment les Européens ça se fait un peu plus rare à cette heure-ci. Mais donc tout simplement vous montrer le gameplay avec en 1 contre 1. Je vais prendre San Antonio, ça sera pas une surprise, c'est mon équipe favorite pour la NBA. Tout simplement car il y a Tony Parker. En fait, je suis un peu un basketique, je suis le footix du basket. Parce que j'aime bien Tony Parker, Ginobili, etc. quoi, vu que je me suis intéressé à l'NBA que très récemment. Du coup j'ai choisi cette équipe là. Par contre tiens un petit truc qui est chiant, c'est qu'ils ont pas mis comme joueur Nando Tocolo, le français qui est arrivé là récemment du côté des Spurs. Là normalement il va me trouver un truc, non. Qui est arrivé donc récemment du côté des Spurs, ils l'ont pas modélisé, ils l'ont pas mis de stats ni rien. Donc ça c'est vraiment vraiment dommage. C'est juste ça, le petit truc qui manque, c'est Nando Tocolo, mais bon, c'est pas énormément grave, vu qu'il aurait eu des petites stats, mais bon, ça me dérange quand même un petit peu, je me suis un peu emmené le perso, parce que j'ai quand même hâte qu'il trouve quelqu'un. S'il me trouve quelqu'un, on va encore attendre un tout petit peu, il n'y a pas de souci à cela. Écoutez, oui, on va juste attendre, on va juste patienter. Un tout petit peu, et après si trop pas j'irai vous faire un match en solo. Mais bon, en solo je pense que je vais être beaucoup plus naze parce que je suis habitué à jouer contre des humains. Et bon, pire en Real 2, j'attends encore quelques secondes. Je sais pas, je me dis que ça va peut-être arriver maintenant ou peut-être maintenant ou peut-être maintenant ou non, j'arrête. On attend qu'ils me mettent recherche adversaire potentiel une dernière fois et après on ira jouer en solo, c'est pas bien grave. Voilà, on attend juste s'il m'en trouve un par rapport à ça. Suspense. Bah non, on va aller en solo, c'est pas bien grave, je voulais jouer en multi, je sais pas pourquoi ils me trouvent personne. À moins, tiens, je vais essayer de vous montrer le mode bitume quand même. Ouais non, j'ai pas un pro à celle-là, je vous montrerai plus tard. Je vais faire un match en solo tout simplement. Donc Maverick vs Spurs, ouais ça me va. Et c'est parti mon kiki, on prend les Spurs.
Là, la musique elle est assez chelou. Mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est parti, mon kiki. Welcome basketball fans to 2K Sports. I'm Damon Bruce. Friday, Hoops les commentaires sont évidemment en anglais. J'ai envie de vous dire merci beaucoup. Les commentaires français Tony Parker and the sont vraiment, vraiment pas mal. Je vous aime bien encore, complètement clair, etc. I'll see you again at halftime. Until then, Kevin c'est assez bon pour moi. Kellogg and Doris Burke with the call. Donc je vous laisse la présentation histoire que vous voyez ce que c'est. Donc le jeu est sorti donc le 5. Et je l'ai commandé donc sur un site, pour pas le citer, Amazon.fr. Qui est, bon, ils le vendent là, je pense qu'il doit être à 46€, donc c'est vraiment pas cher, en neuf évidemment. Et la livraison est offerte. Putain, j'avais pas encore vu cette présentation là. Oh putain, ça pète vraiment qu'en fait, j'ai jamais regardé, mais en fait ça démonte sa race. Juste ça démonte sa race. Donc vraiment, c'est un énorme boulot là-dessus. Alors qu'on voit Duncan s'accrocher au panier comme il le fait habituellement. En réalité, donc je vais juste prévenir, j'ai pas un niveau exceptionnel, loin de là. Mon expérience sur NBA se résume juste à 6 mois, je pense, sur NBA 2K11. Là, c'est un peu mon deuxième NBA. Encore sur 2K11, je l'avais pas eu de base. Donc, je suis vraiment pas bon. J'ai pas un gros niveau. Je connais pas non plus trop le basket en réalité. Je m'y intéresse honnêtement depuis la saison dernière. Donc, ne m'en veuillez pas. Là, je fais déjà ma première passe de merde. C'est pas bien grave. Ah, merde, j'ai oublié de mettre Ginobili sur le terrain. C'est pas bien grave. Il le met évidemment. C'est l'ordinateur. Il met tout. Donc, le match va durer 20 minutes. Bah, plutôt, je pense que je vais faire tout le match. Hein. Donc, je connais pas non plus tous les tirs, comment ça s'appelle, etc. Allez, Boris! Et voilà! Donc, là sur la pelouse, on a deux Français. On a Boris Joe qui vient de marquer, là, numéro 33, vous le voyez. Et on a là, bah, Tony Parker, hein, que je contrôle actuellement. Ensuite, on a Duncan, on a Leonard. Et le dernier, Green. Voilà. Green. Joli, il ne dort pas. Oui, donc je disais, j'ai pas Ginobili sur la pelouse, en fait, sur le parquet, hein, mais j'espère que le coach va le faire rentrer rapidement, parce que c'est quand même mon meilleur joueur, tout simplement. On va essayer de mettre une fin pour essayer de décaler. On va revenir sur le Green. Hop, la petite passe à faire. Et le panier de Green. Si Green marque. L'entraîneur on va pas forcément le faire sortir. Donc vous voyez graphiquement, honnêtement, il est très très beau. Voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire pour la modélisation. Juste nickel, juste le jeu est juste au top. Tout simplement, ils ont rajouté quelques trucs. Hein. Par exemple, bah, le mode mon équipe, ouais, c'est ça. C'est pas. Oh putain, j'ai réussi à le choper. On va vite aller vers l'avant, on va essayer de mettre un contre-attaque. La petite passe en allez hoop et le allez hoop, magnifique. Ah bah voilà, comme ça on commence bien. On commence bien le petit alley-oop, tranquillement. Bah, je veux aussi avoir sûrement des prononciations de merde sur les gestes, hein, qu'est-ce qu'on est, un peu. Donc juste les alley-oop, ça a changé. Carré et croix, donc en fait, carré et croix rapidement. Et il va mettre la passe en alley-oop. Avant, je me rappelais que c'était L2 et rond. Hop, wow, magnifique contre là, je suis bien monté avec Duncan. Duncan qui est simplement énorme, qui a fait une saison énorme la saison dernière. Donc, j'ai vraiment hâte de retrouver les Spurs cette année. Ils n'ont pas fait un gros recrutement, ils ont juste re-signé Boris Joe, ils ont fait venir De Colo. Je pense qu'on en fait encore venir un autre. Ils avaient déjà recruté de toute façon Boris Joe l'année dernière en cours d'année et Jackson. Non pas Michael. Voilà, il m'a dominé complètement. Et voilà donc honnêtement bah, je kiffe le jeu tout simplement. Niveau réalisme, on s'y prend presque. Ouais, je fais une petite tactique. Allez, je m'en donne un isolement. C'est-à-dire que normalement, je me retrouve en 1 contre 1 avec mon adversaire. Voilà, on va essayer de dribbler. Et on va les finir.
dans le panier, voilà, nickel. Ma tactique a marché. J'essaie de lui prendre la balle. Ça marche beaucoup en fait, en appuyant pas mal de fois sur la touche d'interception, à savoir carré. Parfois on arrive, oula, il a raté complètement. Parfois on arrive à intercepter. Allez, Duncan, il est pas bon à la course. On va tenter le 3 points. Ah, c'était pas un 3 points, je pense. Mais j'ai raté de toute façon. Coach, ça serait bien que vous fassiez. Oh, j'ai bien contré. Vous fassiez rentrer Ginobili. Au pire, je vais le faire manuellement. Je vais le faire manuellement. Coaching, remplacement, Green, tu sors, Ginobili, tu rentres. Voilà. Merci. On va effectuer le prochain arrêt de jeu. J'espère bien. Ah, il y a Parker à 3 points, on va tenter. Ouf, presque. Sachant que c'est vraiment pas sa spécialité à Parker, le 3 points. Donc elle n'est pas passée loin. Et je reprends l'avantage avec Green. J'ai pas envie de demander un temps mort pour faire entrer Ginobili, ce serait un peu con. Ouais, voilà, bah, ils ont demandé un temps mort, je pense à moi que c'est mon coach. Les temps morts, je les gère pas. Ah non, temps mort Spurs, ok, c'est moi. Donc Ginobili va entrer, c'est pas plus mal. Ouais, j'espère qu'il rentre là quand même. Ouais, il est rentré, il est là-bas. Hop, Ginobili, notre ami l'Argentin. Alors, on va retenter à 3 points avec Parker. Et oui, elle rentre. Joli petit 3 points là. Je le dis, c'est pas vraiment sa spécialité. Bon, évidemment, hein, il est toujours meilleur qu'un joueur assez grand. Même s'il fait déjà plus d'1m90 pour les gens lambda assez grands et bon, NBA, c'est assez petit. Oh, dommage. Dommage, donc il reste 31 secondes dans ce premier quart-temps. Ça, je joue pas trop mal, hein, je trouve. Allez, on va tenter le... Ah non. On va tenter 3 points avec Boris Joe, parce que Boris Joe, je sais pas ce que j'ai avec lui, mais j'arrête pas d'en mettre des 3 points. On va tenter. Oh non! Oh, elle rentre, elle ressort, enfin presque. C'est dommage, mais je tire extrêmement bien avec Bridge Joe. Pourtant, il a que 66 de général. Je sais pas là combien en 3 points. En tout cas, j'ai vraiment une aisance à tirer avec lui. Oh putain, il se trouve passé devant. Alors, on va tenter de là. Ouh! Évidemment qu'elle sort. En plus, je fais ouh alors qu'elle est passée quand même assez haut. Elle a même pas touché l'anneau. Mais c'est pas grave, la fin de ce premier carton. Il y a 14 à 13, simplement, pour eux, évidemment, pour les Mavericks de Dallas, qui ont perdu Jason Kidd, il est parti à New York, il me semble, c'est également, ah non, il est là, ah non, il est pas là, je sais pas, il y a un doute, non, il est parti à New York, il me semble, mais, c'est qui le chauve, là, oh, c'est pas Kidd. Ouais, en fait, j'ai la blague Jackson, donc je sens qu'il est parti à New York, mais je suis pas sûr, donc vérifier. Mais dites-le moi dans les commentaires aussi, hein, pour ceux qui sont adeptes du basketball. Faut que je tire avec Gino. Ouf, dommage. Ah, dommage, en même temps, c'était pas un tir assez facile, hein. j'ai trop pris mon temps, là. J'étais en train de réfléchir si Kidd avait signé ou non. On va faire un petit dribble, hop. Oh, dommage, la faille passée, elle aurait pu être magnifique, cette passe. Malheureusement, interceptée par l'adversaire. Donc ouais, donc je disais tout à l'heure avant la cinématique d'intro du match qui est magnifique. Faut que je donne la balle à ce que Thiago Splitter, ça va pas le faire, la balle en main. Ouais, ça, il a réussi une belle passe. Gino. Ouais, nickel. J'ai mis un 3 points de Ginobili. Donc oui, donc je disais, oui, donc j'ai acheté donc sur Amazon. Donc j'ai commandé hier, j'ai payé un peu plus cher pour la livraison. La livraison en un jour, parce que je voulais vraiment l'avoir hier matin pour y jouer. Histoire de pas attendre 4 jours, quoi. En fait, tout simplement. Donc j'ai payé un peu plus cher, mais bon, si vous voulez commander, essayez. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais. Vous voyez, si vous ne pouvez pas le commander sur Amazon, parce que c'est vraiment moins cher qu'ailleurs, je pense. Je pense pas qu'on puisse trouver moins cher, en fait. Et la livraison est tout le temps nickel. Ils sont vraiment géniaux, tout simplement. Donc, je vous recommande ce site. Et je fais absolument pas de pub.
Et Jackson, elle rentre pas. Ouais, ça fait 2 minutes, un peu plus de 2 minutes que... Oh putain, là je fais n'importe quoi quand je défends, je saute, je fais triangle, triangle pour sauter. J'ai un peu le jeu de kikou. On va ralentir le jeu, on va prendre mon meneur. Là-bas. Voilà. Je dis, ça fait 2 minutes 30, ils ont pas encore marqué de points. Oh non, Ginobili, lag de 3 secondes en attaque. Ils ont pas encore marqué de points, moi j'avais marqué que 3, c'est un petit carton pour l'instant. Parker qui revient sur... sur le parquet alors que Ginobili sort, ok. Ouais, donc les 3 secondes à règle, les 3 secondes d'attaque, c'est quand notre attaquant reste 3 secondes en fait dans la peinture. La peinture, c'est ce qu'il y a au milieu là, sous le cercle. Le petit rectangle là, tout simplement. Donc quand on reste là-dedans 3 secondes, ben, c'est pas bon. Également, quand on reste 5 secondes, quand on est en défense, ça fait également une faute pour l'adversaire. Pas une faute, mais on leur donne des lancers francs, je pense, en défense. Parker against Collison. Green, the pass to Diop. Alors, c'est pas la course que je vais l'avoir. On va tenter. Dernière seconde. Ah, dommage. Oh oui, magnifique. Magnifique, en plus, je prends la faute. C'est Kawhi Leonard, un joueur que j'affectionne tout particulièrement, si je puis dire ainsi. Je le kiffe tout simplement. Donc là, il nous explique comment tirer. Ok, avec le joystick, sauf que moi je tire avec carré. Même les nuances se franchent. Là, faut juste prendre le bon rythme. Hop, trop tard, un peu trop. Attends, j'ai à moins, il les rate. Oh mon dieu, quoi. J'ai déjà eu C en le réussissant. Là, j'ai à moins, il le rate. Ok, c'est pas bien grave. Hein. Juste un peu étonnant. On va demander un écran rapide. Avec un fadeaway. Oh, le fadeaway qui rentre. Magnifique après l'écran de. De Duncan, oui. Oula, je viens de jouer un trou monumental. Le team Duncan, évidemment. Bon, je sais pas si je m'en suis très bien servi, mais au moins les points étaient là au final. Voilà l'interception. On va tenter le alley-oop. Oh oui! Validé, 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 validé. Et donc j'ai 4 points d'avance, je pense. Voilà, c'est ça. Il reste 55 secondes et on sera à la mi-temps. Je sais pas si à la mi-temps ils ont pris des animations. Parce qu'en fait, bah, c'est mon premier match en solo, tout simplement. Donc, je sais pas trop comment ça se passe. Et qu'en ligne, bah, évidemment, on passe tous les ralentis et tout hein, pour pas perdre de temps. On m'a démonté, quoi, comme il a pris le rebond. Donc, il a pris sous le nez à Boris Dio. Boy, they are really getting chewed up inside here. I mean, that's 8 of the last 10 points they've given up inside. Demander un autre. Hop, j'ai commencé mon tir, mais j'étais mal positionné, donc je suis revenu avec une passe. Je vais essayer de le provoquer en 1 contre 1. Non, j'y arriverai pas. Voilà, il est tout seul. Joe, normalement, il rentre. Voilà, nickel, Boris Joe. Boris Joe, honnêtement, il me plaît en fait dans le jeu. Je sais pas, j'arrive bien à mettre pas mal de paniers avec, mais les 3 points, je les étire, je les enchaîne avec lui. À la mi-temps, je vais vous laisser les trucs. Merde, je dois tirer. Oh, elle a failli rentrer. Je vais juste vérifier si notre ami Jason Kidd a signé ou non du côté de New York. En fait, ça me travaille, donc je vais taper Jason Kidd sur Google pour pas le citer. Voilà, Jason Kidd. Hop. Là, je vous laisse un peu le truc en attendant, vous pouvez regarder. They're putting on a clinic offensively, and they're really starting to click. Some nice plays so far from Tony Parker. He's got 7 points, and he's been able to provide some nice assists. Ouais, il joue à New York, voilà. C'est bien ce que je dis, et je raconte pas que de la merde non plus. Je ne connais pas trop, mais bon, ça, j'avais entendu. Donc, le rapport à la mi-temps par Sprite, évidemment. Alors qu'on voit un magnifique cheerleader.
qui bougent leur, bah, leur boue, hein, tout simplement. Et donc ça repartit mon kiki, donc oui, ouf, j'ai pas dû une énormité. Jason Kidd a bien signé du côté. New York. Maintenant, j'ajoute. Attendez. Non, c'est bon. Non, j'avais un doute en fait s'il avait joué à Dallas, mais oui. J'étais en train de confondre avec Howard qui lui a signé du côté des Lakers alors qu'il jouait à Orlando. Enfin, bref. Bref, bon, bah, tout ce que j'ai dit est vrai. Oula. On va ressortir, on va calmer le jeu. Écran rapide, vas-y, Joe. Ça sert à rien cet écran. Faut que je tire. Oui, magnifique Boris Joe. Le 2 points, la dernière seconde, une nouvelle fois. J'ai pas envie de faire faute. Je sens que la petite interception, mais je fais faute quand même au final. Si je pourrais peut-être vous montrer un peu le mode mon équipe, à savoir donc le mode alias AKA comme disent les Américains, le mode Ultimate Team. Pourquoi pas, hein. J'ai envie de me faire une équipe française en fait, de NBA. Il n'y en a pas 36 des Français. Il y en a déjà deux à San Antonio, vu que De Colo n'est pas là. Il y a Joakim Noah évidemment, du côté des Bulls de Chicago. On a Batum du côté de Portland, le Trail Blazer, il a signé, ouais, je pense. On a aussi du Séraphin, je pense. Oh putain, faut que je tire une nouvelle fois, j'oublie. Ah, j'oublie pas, mais je parle donc je fais moins attention. On a du Séraphin, on a quelques joueurs, on a pas des masques, mais on a de quoi faire un bon petit 5. Notamment avec Batum, Parker, ou j'ai eu 3 points. Avec Batum, Parker et Joakim Noah qui sont tous côté au-dessus de 80% au niveau des stats. Ce qui est pas mal. Hein. Et on va faire tourner un peu, j'essaie de vous montrer un peu plus de gameplay. Boris Dio à 3 points, je prends. Et voilà, je vous l'avais dit, mon bobo, je rentre les 3 points. Comme rentrerait du boulot les nains de Blanche-Neige. Allez, Duncan, qu'est-ce que tu vas faire, Kaman? Putain, j'ai sauté comme un con à côté. En tout cas, je kiffe. Hein. J'espère que vous kiffez aussi cette vidéo. J'ai épuisé, je pense, tous les sujets que je voulais dire. Je vais juste jouer. Bon, allez. Hop. On va partir. Ah, je voulais partir d'au panier. On va ressortir. Avec Kawhi Leonard. Oui, Kawhi Leonard, magnifique. Ça, honnêtement, je rentre pas mal de tirs, je suis assez content en fait, que ça passe, que je fasse un match comme ça en vidéo. Parce que honnêtement, j'ai pas fait d'essai avant sur cette vidéo. Je dis, je vais apprendre direct parce que je dois tout présenter, donc ça ferait long si je devrais la refaire quand c'est pas un match normal. Donc, je suis assez content de mon match, belle interception de Parker. On va rien tenter du tout. Je vais attendre mon meneur de jeu à savoir Tony Parker, évidemment. Qui va mettre le jeu en place, on va faire une petite technique, on va se faire démarquage de Green, il est au Green, démarque-toi Green, merci, mais c'est pas démarqué, mais bon, il va quand même aller au 2-70, je pense que c'est le plus haut que j'ai eu en intensité de dunk, 70 c'est vraiment pas mal je pense. Après j'ai pas non plus vu les One James qui doivent claquer un chiffre, j'ose même pas imaginer. 6 points d'avance, il reste 1 minute 10 dans ce carton et 5 minutes derrière avant la fin du match. Magnifique, j'avais intercepté, dommage. Il y a faute, ouf, heureusement qu'il ne met pas le panier. On va espérer qu'il foire, hein, tout simplement, un petit peu. Ok, et en gros, il nous montre l'arbitre quand le mec il tire, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a qu'en solo que ça a fait ça, je vous rassure, en multi, vous n'aurez jamais. Et la vision de l'arbitre. J'ai juste de regarder mon micro, j'ai eu un doute, j'ai cru que j'étais muté, parce qu'en fait pendant la cinématique d'intro, je m'étais muté pour pas vous gêner.
je me suis mis, peut-être que je suis encore en fait non, bouge ton cul Gino, voilà. Thiagos Peter, le Brésilien, et ça passe pour Ginobili. Il a mis 5 points, voilà, il marque en haut à gauche. À chaque fois, on a les stats récapitulatives. Donc 5 passes, 5 points et une passe décisive. Parker, il est quand même à 7 points et 5 passes. C'est mon meneur de jeu. Et je regardais les stats, donc j'ai pas vu l'action. Allez, 33 secondes. L'avant-dernière possession, ce serait bien que je vais tenter un 3 points assez rapide pour avoir la dernière. Aïe, dommage, j'ai raté. Ce sera bien grave, mais moi j'aurai la dernière possession. Ça va les obliger à jouer assez rapidement en fait. Bon. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai mal géré le truc du coup ça, c'est le bon moment que ça me retombe dans la gueule. Je vais gérer un peu le truc, mais j'ai mal géré. Patron sur le terrain. On va jouer tout simplement. Hop, le petit 2 points qui va rentrer. Non. Et la fin de ce carton. Bon, bah, ça nous promet une fin haletante, n'est-ce pas? Un dernier carton où je ne mène que d'un point. And now our sideline reporter Doris Burke has a report on our Sprite uncontainable game. Hi Doris. And Kevin, our uncontainable game goes to the San Antonio Spurs. It seems every offensive set. Ok, il m'a laissé Ginobili sur le terrain. C'est pas mal ça. Bon, je vais en faire un truc. On va faire. Allez, Spider va deux au panier. Ah, mais il y va même pas en fait. Il va pas. Tire. Hop, ça touche. Putain, je fais le con avec les tactiques à la con. La plupart, je sais pas ce que ça fait, mais bon, je teste des trucs. Voilà, nickel, ouf. Heureusement qu'ils l'ont pas mis ce panier, sinon ils auraient pu repasser devant. Ça me rassure de toujours me voir en tête, même s'il a sonné que d'un point. Bon, allez, faut le mettre absolument. Je vais arrêter de faire, essayer de faire le malin avec les tactiques. Hein. Tout simplement, allez, vers le panier. Ginobili à 3 points. Et ça passe pas. Ils ont une nouvelle. Putain, oh, il est tout seul. Voilà, il passe devant d'un point. La fin de match est dure. Hein. Bon, je suis en train de le faire dessus depuis quelques minutes. J'aurais pu mettre un panier. Allez, on va jouer avec les bases. Duncan qui perd le ballon. Elle est à nous au moins, non? Oh, la balle, elle est pour eux. Bon, ben. Bon, ben voilà. Bah, il reste encore du temps, évidemment. Mais le 2 points, évidemment. C'est ses premiers points du match. Derrick Collison. Allez, Boris Joe. Oui, Boris Joe, j'ai toujours la confiance avec ce joueur. Je pense que je vais jouer sur lui pour les tirs en fin de match. C'est bizarre hein, ce que beaucoup vont dire, mais complètement fou, mais je sais pas. J'arrive à bien sortir les tirs. Hop, la petite faute, j'ai essayé de lui choper la balle à mort, ça n'a pas marché. Ah, j'ai tenté l'interception, il l'a pas effectué. Allez, Parker. On va aller au contre avec Parker, il y a Ginobili dans l'axe. Oh non, j'aurais dû attendre, j'ai voulu aller vite. Ah, j'aurais pu la rater. Mais non. Bon, bah, allez, Boris. Allez, Gino. Putain, Manu et Boris qui m'ont raté là, les paniers. Oh putain, heureusement qu'il la rate, parce que là, la carotte aurait presque été cuite derrière. Non, faut pas que je déblague Duncan, mauvaise idée. Et Gino qui nous remet à un point. Allez les gars, on a peut-être pas perdu. Une chance à jouer, il faut juste que je fasse un stop et derrière que je marque. Ceci met 3 points. Aïe 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 aïe. Le 3 points qui leur redonne 4 points d'avance alors que 0,59 est en ligne et qu'il a dû parler de ce cochon. Sky. Ah ouais. En me disant qu'est-ce que tu branles à cette heure-ci, eh ben que je branle
Ta sœur, non, je déconne. Ta sœur n'a pas de beat. Écoute, Xerath, je fais une vidéo, hein. Moi, je vais mettre un smiley pour lui dire que j'étais là, quand même. Allez, donne... Oh, dommage, elle est pas rentrée, hein. Dommage. J'aurais pu revenir un point derrière. Duncan, parfait. Timing parfait. Et B+, un peu trop tard. B+, Duncan le maire. Tout à l'heure, Leonard l'a pas mis avec un A-, je comprendrai pas ceci. On va faire une prise à deux dessus. It's Mayo on the way. Mayo off the pick from Nowitzki. Carter for three. Faut que je l'ai, nickel, allez. On va partir vite en contre. Bon, je vais un peu calmer le jeu. Non, tant pis, je le calme pas. Oui, Tony Parker qui nous remet à égalité. J'ai bien fait de pas calmer le jeu là. J'ai bien fait de pas calmer ce fucking jeu. Et donc, bah, putain, on a égalité à 1 minute 47 de la fin. Donc c'est encore très long, très long. Et si y a match nul, il y a bien évidemment prolongation. Il n'y a pas de nul dans les sports américains, que ce soit basket, football américain. Ou encore hockey sur glace. Je savais qu'il allait tirer, je savais qu'il allait tirer. Heureusement, il n'a pas marqué à 3 points. Ça, Boris, il l'a laissé sur le terrain. Oh non, j'ai complètement raté la passe. Faut absolument que je la récupère là. Putain. Bon bah, ça va être fini. Non. Ah, fallait que je la récupère. La raté, peut-être le panier qui va me permettre de revenir. À 7 temps. J'essaie d'y aller en 1 contre 1. Allez, Boris. Oh non, j'aurais pas dû faire confiance. Bon, tant pis, je vais le laisser tirer. Hein. Il était gêné. Elle peut pas rentrer, voilà, nickel, elle peut pas rentrer. Allez, Boris, passe à Tony, ton capitaine également de l'équipe de France. Ah non, l'équipe de France, c'est... Allez, Boris. Oh, bon, j'ai deux lancers francs avec Boris. Faut que je les mette les deux. Non. Oui, elle rentre. Oh là là. J'ai eu un frisson. Oh oui, elles rentrent toutes les deux. Tous les deux, pardon. 22 secondes, égalité. Là, j'ai un dilemme où je fais faute ou pas. Oh, je peux pas faire faute. Hein. Je peux pas faire faute. Ah, je vais prendre trop de risques. Après, je dois marquer un panier. Il va juste attendre la fin. Merde. Non. Oui, allez, j'ai la dernière action. J'ai la dernière action. Allez Tony. Tony Parker. Magnifique, à 1 seconde 4 de la fin, c'est fini. À moins qu'il la mette, là je me suicide. Et voilà, victoire. Magnifique panier de Tony Parker à la fin de ce match. Pour conclure cette vidéo. Magnifique. Magnifique. Tout simplement. Écoutez, voilà. Je pense que. Bon, ça s'arrête là. Je pense que j'ai tout fait ce que je voulais. Je suis en train de réfléchir, mais oui. Écoutez, je suis très content. J'ai gagné ce match. Je suis vraiment très très content. L'homme du match, j'espère que ça va être Tony Parker. Et c'est Tony Parker, le meneur de jeu de l'équipe de France et des Santos Spurs, comme vous avez pu le voir. Avec ce magnifique panier. 100% français, passe de Tony pour panier de Boris. Et donc, ben, on va se quitter là. Tout simplement. Je dis beaucoup tout simplement, mais c'est pas grave, tout simplement. J'ai conne. À la prochaine, portez-vous bien. Et puis, ciao ciao. Allez,